Hey, salut tout le monde, c'est Flaréa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Mario Galaxy, et désolé j'ai la voix un peu plus faible que d'habitude, parce que je tourne légèrement plus tard que d'habitude. Voilà, donc du coup, pas encore le screen au milieu je crois. Où est-ce qu'on en était? Y a pas une liste des étoiles, non on n'est pas dans le 2. Oui, bah de toute façon, on est forcément dans la terrasse, on n'est pas encore à la suite. La dernière fois, on avait fini les planètes E, et du coup, Royaume des abeilles, ouais, c'est ça. Et allez, Zibandi! Zibandi, Zibandi! Envole-toi, Mario Abeille! Donc, on va voir le premier power-up exclusif de Mario Galaxy. C'est beau mais quand même un petit trou noir au milieu hein. Il fait jour. C'est cool. Alors, encore une musique mythique hein. Écoutez Mario Galaxy quoi. Tu es ici sur notre territoire, le royaume des abeilles. Il est gouverné par sa majesté la reine. Alrighty. Bonjour. Et le nouveau va saluer sa majesté. Va saluer son bégaiement. C'est pas mal à saluer ça. Alors, on les connaît bien, les rochers rouges. On va les défoncer pour avoir des fragments d'étoiles. Parce que, de toute façon, il en pleut des fragments d'étoiles. Mais... oh bah. Mario, il a pas tournoyé. Voilà. Normalement, on peut en péter 3. Ah, ils sont longs à revenir, par contre. Ouais, on va... j'ai pas trop envie qu'on perde du temps. Alors, les scarabées, ils s'enfuient de nous. Parce qu'on est un humain. Mais quand on sera Mario Abeille, y a pas de surprise. Hein. De toute façon, on sait qu'on va l'être parce que... voilà. Parce que c'était marqué dans le titre. Donc, le champignon abeille... et là, moi ce qui m'intéresse, c'est la pièce qui est là-haut. Voilà. Alors. Par-delà la cascade, tu peux apercevoir le château de sa majesté. Bien. La caméra, voilà, merci. Vous êtes devenu Mario Abeille. Maintenez A enfoncé pour voler. Donc j'ai une petite jauge de vol qui descend très vite. Et si je touche de l'eau... je suis foutu. Oh. Et là, maintenant que je suis une abeille, les scarabées, ils vont vouloir venir vers moi. Ok. Allez, on prend les fragments d'étoiles. Il y a encore un power-up. Tu dis quoi? Il faut passer sur la mer pour atteindre le château. Nous autres abeilles disons toujours la vérité. C'est bon à savoir. Alors ces plantes... ok, non. Est-ce qu'il y a des plantes qui ressemblent à celles-là, mais c'est des grosses trolls. Les plantes dont je parle, alors ça se trouve, elles sont que dans le 2 en fait. J'ai beaucoup plus fait le 2 que le 1. Oh, les abeilles, elles transportent du miel. Alors je peux marcher dans le miel maintenant que je suis une abeille. Donc en fait, les plantes dont je parle, ça se trouve, elles sont que dans le 2, mais si vous voulez, elles ressemblent à ça, mais... oh non! Mais il y a une petite bordure, en fait, sur la fleur, et une fois que vous vous posez dessus, elle attend une ou deux secondes, et elle se ferme. Et vous mourrez. Voilà, donc... alors, prendre des pièces fait remonter notre jauge de vol... mais on aura rarement l'occasion de... d'attraper des pièces en vol sans pouvoir se poser. En tout cas dans cette galaxie. What? Attendez. Là, la Wiimote, elle fait pas ce que je veux qu'elle fasse. Et non, c'est pas une excuse. Alright. Bam! Donc.
Oui. Des nénuphars. Ça j'aime moins par contre. Précision, non, aucune précision. Ça n'existe pas. Bam. Ok, alors. Bonjour. Au revoir. Oh, calme-toi, le poulba. Bim. Non. Ça m'intéresse peut-être de reprendre un power-up. Ok. Tac. Waouh. Il y avait une belle quantité de fragments d'étoiles. Et un bel anneau étoile là. Et on arrive au château de Sa Majesté. Ah oui, j'avais oublié cette partie. On va faire de l'escalade sur le miel. Bon, on va voler aussi, ça va aller bien plus vite. Si on avait fait ça uniquement en escalade, on aurait perdu... Enfin, ça aurait été bien plus long. Et bonsoir. Non. Bonsoir. Tiens, qui es-tu? Un nouveau sujet? Enfin, peu importe, j'ai un service à te demander. Ça me gratte un peu partout. Veux-tu bien jeter un oeil? Ouais, c'est dit bizarrement quand même, hein. T'aurais pu te dire, il y a des fragments de nos étoiles sur moi. Ça fait du pire. Oh là là. Et donc, sans vous mentir, c'est grâce à ça que j'ai appris que le dard des abeilles était devant et pas derrière. Merci à toi, nouveau sujet. Je me sens bien plus propre. Je ferai appel à toi si j'ai besoin d'autre chose. Oh, je serai dans... Dans deux galaxies... Enfin, je serai dans... Ah, je ne sais pas combien d'années-lumière de toi. Donc tu vas avoir du mal. Et là on est propulsé tout en haut. Et il y a Capitaine Toad. Il y a une abeille. Tiens Mario, c'est bien toi, nous avons réussi à nous enfuir du château de la princesse Peach. Pendant notre fuite, Bowser nous a attaqué et nous avons été séparés de Luigi. En fait, nous avons trouvé une étoile, prends-la, je suis sûr qu'elle te sera utile. Non, non. Et il fait quoi le Toad violet derrière là? Il fait du breakdance. Continue à faire du breakdance. Yay! On a une étoile, du coup on est à 5. Oui, 5. Et là vous remarquez, on est arrivé devant Harmonie et pas devant et pas dans le dôme. Envole-toi Mario Abeille, c'est un nouveau record. Wouhou! Une nouvelle galaxie a été découverte. Ah, on a accès à une galaxie spéciale! Nice, ça c'est cool. Donc la première galaxie spéciale de la Terra, c'est accessible à 5 étoiles. Mario, c'est bien ainsi que tu t'appelles, n'est-ce pas? C'est que ce que m'ont dit tes amis qui sont arrivés ici tout à l'heure. Mario, je ne sais pas pourquoi, ce nom me rend nostalgique. Moi je sais. J'ai conduit tes amis au garage. Ils semblent avoir des choses à te dire, tu devrais vite aller les voir. Il y a les taux de garage. Alors on va pas sauvegarder maintenant parce qu'on va pas perdre du temps. Parce que je sais que le record va bien parce que j'ai un retour. Ah bah il y a le taux de courrier du coup, évidemment. Mario, je suis le facteur. Une lettre est arrivée pour toi. Cher Mario, je me trouve en ce moment dans un endroit très très lointain mais je vais bien. Car je sais que tu viendras me sauver. PS, j'espère que ce que j'ai joint à cette lettre sera utile. Lettre accompagnée de 5 champignons one-up. Allez. À la prochaine. Du coup, à chaque fois qu'on commence la partie, on peut aller à 10 vies et pas 5. C'est cool. Où sommes-nous? Je veux rentrer à la maison. Bah, tu peux pas. Il faut prendre son mal en patience, monsieur. Attends, je vais aller voir le Luma. Oui, ben. Je suis bienvenue sur l'observatoire de la comète. Mario, j'ai pas trop comment, mais nous sommes aussi arrivés jusqu'ici. Bah, vous êtes accroché à moi quand j'ai volé avec l'étoile. Nous allons t'aider à secourir les super étoiles et la princesse Peach. Tu peux compter sur nous. Ouais, alors, ouais, hein. Nous nous trouvons donc sur la base mobile de cette Harmonie. Mais qui est-elle donc? Serait-ce une sorcière? Non, bien sûr que non.
Non, c'est une des trois princesses avec Peach et Daisy. Lol. Les Lumas vont nous aider à construire un vaisseau spatial. Quand il sera terminé, nous pourrons chercher avec toi la princesse Peach et des super étoiles. Vous ne vous en sortirez pas. A été conçu spécialement pour les Toads. Ou plutôt, est en train d'être conçu spécialement pour les Toads, parce que... On a personne là. Désolé, je prends un max de plaisir aujourd'hui à me parler avec cette voix. Alors, c'est quoi? Alors, tous les joueurs de Mario Galaxy actuellement se disent... Non. On va la faire maintenant parce qu'il n'y en a qu'une. Et que je l'aime plutôt bien, mais attendez-vous à du fail. C'est bien parce qu'entre le royaume des abeilles et le surf, là on est dans un... Bonne vibration. On est dans un mood beaucoup plus été. Et comme en ce moment, en tout cas chez moi... Il commence à faire de température agréable. Oh oui, alors, si vous avez fait les Mario 3D, vous allez avoir des souvenirs de Sunshine. Hein. Alors. Oh. Voiture. L'arrêt s'appelle Raymond, c'est mignon, hein. Oui, c'est un bon jeu de mots surtout. Les commandes pour le surf sur S sont un peu compliquées, alors écoute bien les explications du coach. Alrighty. Salut, nous sommes venus du paradis des pingouins. Oui, c'est la plage astrale dans Mario Galaxy 2. Ici, on fait du surf en montant sur le dos d'une raie. On appelle ça le surf sur raie. Merci, Captain Obvious. Toi aussi, tu veux faire du surf sur raie? Oui. Ah, c'est la première fois que tu fais du surf sur raie, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer comment on fait. Bien, je vais t'expliquer. Pointe à tes commandes Wii vers l'écran. Ok, c'est fait. C'est comme ça, c'est la position de base. Pour tourner à gauche, fais pivoter à tes commandes Wii vers la gauche. Donc pour ceux qui ont fait Mario Galaxy 2 et pas le 1, c'est comme Araplane, c'est le même contrôle qu'Araplane. A l'inverse, pour tourner à droite, fais pivoter la télécommande Wii vers la droite. Oui, voilà comment on tourne vers la droite. Enfin, tu accélères en appuyant sur A. Bien, c'est tout pour les explications. Essaye de faire un tour de circuit. Alors, on va y aller slow. Alors, j'ai pas de curseur. Alors, il a pas dit, mais je peux sauter en donnant un coup vers le haut de Wiimote. Il n'y a pas de curseur, donc tous les fragments d'étoiles qui sont sur le côté, je peux rien en faire. Ok. Ça me donne tellement envie de plonger dans une piscine. Là, je pense que si vous avez joué à Mario Sunshine, vous avez des petits souvenirs qui remontent entre le surf sur Rec, qui rappelle quand même vachement le surf sur calamar du Port Rico, et la porte finale qui est en forme de soleil. Et ces panneaux qui nous viennent tout droit et nous regardent Double Dash. Oh là là. Alors, je freine au milieu, hein, j'ai le droit, moi. Mais vous ne le faites pas, c'est pas particulièrement fou. Et le saut! J'ai tellement peur de rater un virage ou un truc comme ça. Ok. Là, je vais le faire sans freiner. Non! Oh! Ouais, alors, la fin... 1-3-3, donc 1 minute 3 secondes et 3 centièmes. Bravo, pour te récompenser, je te donne cette médaille d'or. Médaille sur 20, hein. T'en as pas d'autres, des médailles d'or? Je te fais autant de tours de circuit que tu veux, mais il m'en faut 120, en fait. C'est pour un petit... Enfin, avec celle-là, il m'en faut 114, en fait. C'est un petit problème perso, t'inquiète. Je te rembourse. C'est genre, c'est un prêt. C'est un prêt immobilier. Le pingouin, c'est un banquier. Galaxie complète. Vous avez enfin vu ce message. Donc, bah, en fait, je vais clairement pouvoir vous montrer. Bonsoir. Vous voyez, à côté de défi du surf, il y a une couronne. Ça veut dire que c'est une galaxie complète et que cette galaxie, on a pris toutes les étoiles qu'il y avait à prendre et que jamais on y retournera. Là, c'est pas le cas. Et là, bon, ça peut pas être le cas.
Voilà, donc il y aura autre chose à faire dans les planètes E plus tard. On a 15 minutes, on a fait 2 étoiles. L'incident de la tour d'observation. Ah, des Wigglers. C'est pour ça, il y avait donc des Wigglers. Ah ouais, non. Je me rappelle de ce qu'il y a en haut. Pas super envie d'y aller quand même. Ok, et bah du coup, le terrain s'est un peu agrandi, je crois. Non, alors, cette pente, il y a un moyen de la monter, mais c'est complexe et je sais pas le faire. Il y a eu des éboulements. Ouais, bah ça m'intéresse. Oh, un petit M en fragment d'étoile. La caméra qui fait n'importe quoi. Bon, bah tant pis. Alors. Oh, mais c'est pas possible. Arrête de cibler le trou noir. Oh. J'ai visé le truc rouge, là. Wouh! L'abeille qui nous montre comment faire une charge au sol. Waouh! Il y avait beaucoup de fragments d'étoiles ici et je ne voulais pas du tout en tirer un. Hein. Par contre, il y a un raccourci étoile là. Bam! Bonsoir! Alors. Ah! Ah, et du coup, la Wiggler est tombée, on l'éclate. Parce que sinon, elle se relève et elle est méchante. Alors. Ah. Carrément. Alors, ce mural. Ah, le fameux panneau d'affichage. Hé, je suis le grand panneau d'affichage. Si tu veux savoir comment escalader les murs, écoute-moi bien. Saute contre une paroi, puis appuie sur A pour faire un saut mural. En enchaînant plusieurs sauts muraux, tu peux atteindre des sommets. Alors, souviens-toi bien. Souviens-t'en bien. Souviens-toi bien. Ça. Je suis pas de son muro, moi. Son muro, c'est pour les Mario 2D. Ah, mais je préfère tellement utiliser le backward jump sur des Mario 3D que des son muro, j'en fais peu. On va arriver en haut de la... Ah bah non. Pause. Vous savez que votre bouche, elle a une portée. Genre, vous pouvez pas croquer n'importe quoi, n'importe où. Tu veux rire? J'ai détruit votre ami il y a 2 jours sur Mario Party DS. Et changement de planète. Swish, swish, pêche. Pardon, je sais. C'est des relents de chant des fois qui arrivent tout seuls comme ça. Et une effusion de fragments d'étoiles. Alright. Alors, on va sauter là-dedans directement. Ah, la belle... J'ai cru qu'il y en avait jusqu'en bas. Ok. Ah, d'accord. C'est juste un tremplin. Voilà. Donc là, on a un scarabée. Et pour les tuer, les scarabées, on leur fait une charge au sol dessus. Par contre, toi, tu m'intéresses. Papin. Votre énergie est montée à 6. Bon, c'est le champignon de puissance, hein, on connaît ça. Ça fait monter le HP max. Et encore une fois, on a beaucoup de fragments d'étoiles. Oh. Et clac. On active le moulin. Qui était gardé avec des gros guillemets par un scarabée. Et... On arrive en haut de la tour d'observation. Et oui, c'est un boss.
On va éclater le petit scarabée qui est sur sa tête et il va commencer à s'énerver. Mais c'est un boss tellement pas sérieux qu'il n'y a même pas de musique qui change. Et deux coups suffisent. Franchement, c'est le boss le plus cheap depuis le début du jeu. Et même peut-être du jeu. Il est faible. Tu es faible, mon cher scarabée. Du coup, on a obtenu une étoile. Et on va en refaire une. On va faire la troisième du royaume des abeilles, comme elle était relativement rapide, celle-là. L'incident de la tour d'observation. Ouais, incident. Ce 736. Une nouvelle galette. Incroyable. Ah, attendez, on va ouvrir la galaxie secrète. Je vais voir ce que c'est et après on va voir le camp. Ok, au revoir. Quoi? Ok, je sais. J'ai appuyé sur A pour faire le saut en longueur en fait. Et mon curseur devait être sur le... l'étoile crampon. Alors, oui, on connaît ton dialogue. Combien est-ce que tu en veux? Tu en veux énormément comme je suis sur le hub. 400. Oh, large. Transformation. Nouvelle galaxie aidée. Du coup, on va faire celle-là. Hein. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est mystère. On sait pas ce que c'est. Ah, la fabrique de gâteaux. La galaxie dans laquelle j'ai envie de vivre. Ok. Je m'excuse, hein. Je dis... Alors, nous, parce qu'il y a moi dedans, allons avoir faim durant ce niveau. Mais nous pouvons profiter néanmoins de cette très merveilleuse musique qui nous vient tout droit de Mario Bros 3. C'est pour ça que j'étais ce niveau. Là, ça va, je me suis rattrapé, mais... Je peux pas faire un pas de plus. Trop courageux, très drôle. Ah, parce qu'il mange. Parce qu'il mange ou parce qu'il y a des trous de partout. C'est cette partie qui est relativement horrible. Et on ira faire les dalles réversibles après. Ça fera un épisode long, tant pis. Parce que dalle réversible, au moins c'est fait. Oh non! Je me suis fait bloquer par le mur. Ah, oh, ça va, c'est gentil, je reprends là. Du coup, les fragments d'étoiles, on respawn. Ah, mais si j'en tire sans faire exprès, on va pas s'en sortir. On dirait que je suis sur un tapis de course, tu sais. Oh là là. Ok. Dernière ligne dorate. Pardon, je sais pas ce que je viens de faire. Oh! Faut faire gaffe parce qu'on va tellement plus loin en sautant. J'adore le chocolat à la menthe. Ah ouais, non, non, moi non. Non, moi non. Le chocolat à la menthe, non. Balabalabam. Balabam. Et du coup, est-ce qu'on a galaxie complète ou est-ce que... On arrive devant Harmonie, mais c'est normal, on peut pas arriver dans un dôme. On n'était pas dans un dôme. Ouais, galaxie complète. Ok. 420. Ah bah oui, du coup, on a 8 étoiles. Bon bah voilà, on a accès à la terrasse au complet. La terrasse est meublée. Et du coup, maintenant, on a un Luma Rose qui nous... si on lui parle, il nous dit « Veux-tu aller dans la galaxie ?» Machin. On a découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie des étoiles. Bah, il y a 99,9% de chance que si, quand même. On va pas se mentir. Hein. C'est Bowser, hein. Donc, bon. Allez. On va se laisser là-dessus. Alors, ah non, dalle réversible, c'est ça. Ok. Ah, mais ça va. Ok, non, non, alors...
Pardon, je me suis emballé tout à l'heure. J'ai pas regardé. Dalle jaune exclusivement. Oui, oui. Donc dalle réversible, c'est ce qu'on a vu au tout premier. Voilà, c'est ça. C'est les panneaux. Oh, mais en plus, elle est toute petite celle-là. Elle va nous prendre 10 secondes. C'est les panneaux. Quand on appuie dessus, ils passent de bleu à jaune. Et si on appuie dessus, ils redeviennent bleu, etc. Et quand on les a tous activés, ils deviennent verts. Et il y a une étoile qui apparaît. On a eu ça pour arrêter la machine de la grande étoile au premier, la première galaxie. Ok. Ah oui, il y a un côté là. Du coup, moi je pensais que c'était les. Les dalles clic-clac, vous savez, qui. Genre, il y en a des bleus, il y en a des rouges. Elles sont pas toutes. Il y a qu'un côté qui retourne en même temps et l'autre côté se retourne. Si. Si on. L'autre côté se retourne si on secoue la manette. Enfin, si Mario tournoie. Ok. Bon, bah voilà, c'était. Je pensais que c'était les dalles clic-clac, moi. Du coup, lui, il s'est arrêté. Yeah! Et du coup, le décor est devenu une grotte et pas l'Overworld. Ça, c'est trop cool, par contre, le décor en mode Super Mario Bros. 1. Bon, bah, du coup. C'est rapide. Est-ce que Galaxy complète? En vrai, j'imagine quelque chose qui pourrait se passer là-dedans. Et du coup, je me dis que peut-être pas Galaxy complète. Eh bah si. Je crois que je ne vais pas spoiler parce que c'est pas encore arrivé. Quelque chose ne peut pas arriver dans les... Les galaxies spéciales. Enfin bref. On va s'arrêter là. Du coup, on n'aura pas du tout fait les deux dernières étoiles du Royaume des Abeilles. On les fera la prochaine fois avec peut-être la galaxie finale de la terrasse. Puisque sur les 5 galaxies, bon, les planètes, eux, visiblement, c'est bon pour l'instant. Royaume des Abeilles, il reste 2 étoiles. Et après, bah, sinon, on a des galaxies complètes sur les 2 autres. Et il y a celle de Bowser. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode de Mario Galaxy. J'espère qu'il vous aura plu. Dis au revoir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.